Honorez-vous, ils sont 126 446 candidats qui passent les tests nationaux de sélection et d'orientation scolaire sur toute l'étendue de cette province. C'est Maître Prisca Kamala, coordonnatrice des experts du conseil spécial du gouvernement militaire en charge de l'éducation, qui a lancé cet examen. Parmi les candidats finalistes figurent des déplacés des guerres venus des Rutshuru et Masisi qui ont été délocalisés vers des zones sécurisées pour passer ces concours nationaux. Des détails dans ce reportage signé par Patrick Seloura. Il se compte par ça 26 440 candidats, dont ceux de l'école congolaise de Kigali au Rwanda, qui prennent part au Nord Kivu au test national de sélection et d'orientation scolaire et professionnelle TENASOSP dans sa deuxième édition, déclare Prisca Kamala, coordonnatrice des experts du conseil spécial du gouvernement militaire en charge de l'éducation. Les effectifs des candidats inscrits à ces tests nationaux s'élèvent à 126 440 candidats, dont 62 887 filles. Les candidats CIO répertoriés sont regroupés dans 464 centres, dont 66 au Nord Kivu 1, y compris les centres de Kigali au Rwanda, 340 au Nord Kivu 2 et 58 au Nord Kivu 3. Cette ENASOSP se tient avec les objectifs spécifiques, a précisé François Eloko, inspecteur provincial de la province éducationnelle Nord Kivu 1. Sanctionner la fin du cycle terminal d'éducation de base par l'octroi d'un brevet. Dégager le profil psychologique de l'élève. Orienter l'élève selon ses aptitudes, ses goûts et ses intérêts vers les sections et options d'études organisées aux humanités et ou cycles courts professionnels. Gérer le flux d'élèves et à la sortie de la 8e année d'éducation de base. Les élèves candidats déplacés des guerres ont été délocalisés dans des zones sécurisées, a affirmé le directeur de la province éducationnelle Nord Kivu 1, Père Okona Pungu. Il y a 645 finalistes de la 8e année du cycle terminal de l'éducation de base, déplacés de guerre en provenance de Rutshuru et Kibumba, qui vont passer leur TENASOSP dans les différents centres de la ville de Goma et de Nyiragongo. En outre, les élèves finalistes de Kanyabayonga et Nyanzale sont transférés dans la province éducationnelle du Nord Kivu 2, là où ils présenteront leurs tests. Soulignons que ce test national de sélection et d'orientation scolaire et professionnelle se tient du 15 au 16 juin 2023.